Salut Emily, j'ai les cheveux un peu secs en ce moment, un peu rêche. Est-ce que tu aurais quelque chose à me conseiller pour ça? Quelque chose de naturel? Salut Sophie, j'ai une super recette d'huile pour les cheveux, facile à préparer avec seulement 3 ingrédients. On commence par 20 gouttes d'huile essentielle d'ylang ylang qui a vraiment cette fonction de tonique capillaire. Et en plus de ça, elle sent vraiment bon. Ensuite, on ajoute environ 15 ml d'huile végétale de ricin. Le ricin va vraiment fortifier les cheveux, il va donner plus d'éclat et plus de volume. Puis on rajoute 15 ml d'huile de coco qui va vraiment venir nourrir ses cheveux secs et crépus. L'huile de coco, c'est une huile qui est souvent solide à température ambiante. Du coup, il va falloir la réchauffer pour pouvoir bien la mélanger dans la recette. On vous propose donc de la mettre dans un bol d'eau chaude de façon bain-marie. Mélangez bien le tout et votre huile pour cheveux est prête à l'emploi. Alors Sophie, maintenant ton huile est prête, il suffit juste encore de l'appliquer bien sur les pointes et sur la cuir chevelu au moins une demi-heure avant le shampoing.